Hello, c'est Lucille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga, mais cette fois c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on va targeter les abdos. Donc en fait, ça va être une séance d'abdos de 10 minutes inspirée du yoga. Donc ceux qui ne connaissent pas le yoga, c'est l'occasion de découvrir un petit peu des mouvements de yoga. Sinon, si vous connaissez déjà le yoga et que vous aimez ça, ça va encore plus vous plaire. Si vous avez des sensibilités aux poignets, il va y avoir pas mal de planches. Parfois, vous pouvez vous mettre sur les coudes et faire les exercices sur les coudes. On va démarrer de suite. Je lance mon chrono, c'est parti. Et on commence avec une alternance de chien tête en bas et planche. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être super gainé. Le chien tête en bas, si vous ne connaissez pas, on a le dos le plus droit possible, les épaules, tout est aligné ici. Et on cherche à poser les talons au sol quand on est dans le chien tête en bas. Mais nous, ici, ce qu'on cherche, c'est seulement ce mouvement vers la planche. Gainé. Ok, à présent on va tenir 30 secondes en planche ici, on repousse dans les épaules, le bassin est en rétroversion, on rentre la sangle abdominale au max. Donc c'est là, je vous dis, on tient fort, on va tenir souvent sur les poignets. Après, si vous avez à disposition des haltères par exemple, vous pouvez vous tenir aux haltères pour éviter de forcer sur les poignets. Donc à présent, on va lever une jambe à amener le genou à la poitrine. Donc là, je commence par la droite et on va tenir un petit peu, 15 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Pensez toujours à bien repousser dans les épaules. Ça va aussi pas mal faire travailler le haut du corps. Hein. Allez, 5. 4, 3, 2, 1. On repasse. On va alterner à chaque fois. Coude. On amène le genou au coude, puis au coude opposé. Et on fait un petit aller-retour. Restez solide dans les épaules. On va ensuite passer dans la position assise. Ok, on s'assoit et on vient faire le bateau. Donc ici, l'idée, c'est de garder le dos droit et on décolle les talons du sol. Donc peut-être que vous êtes comme ça. Si vous pouvez lever vos jambes, c'est parfait. Sinon, vous pouvez même essayer la version jambes tendues, voire amener les bras aux oreilles. C'est une position qui challenge beaucoup. Il faut être assez avancé dans sa pratique du yoga. Ok. On va à présent faire des fermetures. Donc on descend et on ramène. Donc ceux qui connaissent un peu le rameur, vous pouvez faire la version comme ça, où vous gardez les jambes fléchies. Ceux qui ont envie de se challenger un peu plus, avec la version jambes tendues, on y va, n'hésitez pas. On va passer sur les coudes, c'est parti. Donc là, on va juste faire du gainage statique. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on fait au yoga, mais c'est une séance inspirée du yoga. Donc là, forcément, vous savez, on rentre les abdos, bassin en rétroversion, baisse les fesses. On va passer sur le côté. Ok, et donc là, on va venir amener son genou au coude. Si vous voulez la version plus simplifiée, vous restez en statique comme ça. En tout cas, essayez de garder le corps bien dans un plan. On n'est pas affalé, on se grandit, on sort la poitrine. On va passer de l'autre côté. Ok, l'autre côté, allez-y, je prends mes notes pour pas faire. Pensez à bien rentrer la sangle abdominale.
Allez, on tient bon, on va passer au Superman. On se met sur le ventre. On va lever bras et pieds. On fait bosser les lombaires. Faut pas les négliger quand on fait des abdos. On enchaîne avec des spider, on va les faire sur les coudes pour protéger les poignets. Donc on va amener le genou au coude en passant par le côté, faire bosser les obliques. On est déjà à plus de la moitié de ce circuit. Ok, on va passer sur le dos. On va à présent. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses. Et on va faire des petits ciseaux ici. En montant et en descendant les jambes. Donc, mains sous les fesses si besoin. Sinon, si vous êtes à l'aise, on garde bien le bas du dos plaqué au sol. On va rester en bas. Et on va faire les petits, je ne sais pas trop comment les appeler, alors en général je les appelle les papillons. Allez, tenez bon. Plus que 15 secondes sur celui-là. Pensez vraiment à garder bien le bas du dos plaqué au sol. On passe dans 5, 4, 3, 2, 1, on se met en planche sur les mains. Et on tient en planche ici. On rentre la sangle abdominale. Les épaules sont bien au-dessus des poignets. On va passer en chien à trois pattes. On lève une jambe et on amène le genou au buste, on alterne, enfin on n'alterne pas les jambes mais on fait cet enchaînement, on se grandit. Hop, ceux qui ne sont pas habitués à faire ceci, vous pouvez bien sûr plier les jambes comme ça et ensuite ramener la jambe au buste. On rentre bien la sangle abdominale, on interne, on change de jambe. On repousse bien dans les épaules quand on est en chien à trois pattes. Le chrono va disparaître. C'est pas le moment. On va bientôt changer. On passe à la planche sur le côté. Donc cette fois sur le bras tendu, vous pouvez, option, lever la jambe pour se challenger un peu plus. On rentre la sangle abdominale au max. On va bientôt changer de côté. 3, 2, 1, on change de côté. Et ensuite, on repassera sur le dos pour faire des hollow rock. Vous n'y arrivez pas, vous pouvez rester en statique. Mais comme l'exercice qui suit,
C'est justement la version statique. Ça va faire un peu long. Et donc maintenant, c'est la version statique, le finisher, les dernières 30 secondes. Oui, ça va faire déjà 10 minutes. Donc, là c'est dur. On rentre fort, fort, fort. La sangle abdominale. Plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fini. Yes. J'ai pas intitulé abs burner comme la dernière fois, mais c'était un petit peu un abs burner aussi. Hein. Donc si vous avez vraiment envie de vous exploser la sangle abdominale aujourd'hui, vous pouvez enchaîner avec la vidéo abs burner qui dure aussi 10 minutes et ça vous fera 20 minutes d'abs burner. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.